Eh bien bonjour à tous, les amis, c'est l'officier Vélo Jumper. J'espère que vous allez bien, genre écoutez. Moi c'était nickel, quand la Tino, j'en ai les amis, vous le voyez bien sûr, à la fois avec la miniature et aussi également le titre au-dessus de ma face. Effectivement, on se retrouve pour un nouveau Tycoon dans Roblox. Et vous l'avez sûrement compris, pour construire tout simplement une prison. Voilà, parce que ça se nomme simplement Prison Tycoon. Je pense que de toute façon, avec la miniature, hein, et aussi également le fait que je me suis auto-proclamé, bien sûr, officier. Bon, j'ai envie de dire aussi gardien, hein, voilà. On va pouvoir tout simplement construire notre propre prison en mode Tycoon dans Roblox. Et d'ailleurs, c'est le même créateur que Airport Tycoon, hein. Donc si ces avions, ils fonctionnent aussi bien que les voitures, je te raconte pas le délire, voilà. Donc on est parti, donc on va pouvoir commencer comme d'habitude avec bien entendu les convoyeurs. Oula, ils sont rustiques ceux-là, hein. C'est vraiment l'ancienne, hein, les vieux petits cubes et tout. Mais qu'est-ce que tu veux en prison, ça rigole pas. Ça va rappeler un petit peu The Escapist, hein, aussi au passage. Donc là on a bien sûr les droppers. Alors attends, par contre c'est normal que je commence avec 200 000 alors, non, parce que là je viens d'arriver, hein, y avait pas de dropper, j'ai rien acheté, enfin rien du tout. Et alors en plus tu peux, ah si, tu vas avoir du cash. Mais non, mais c'est pas possible parce que, mais non. Mais what? Comment ça se fait que je commence avec 200 000? Ah c'est bon en fait les gens, c'est normal, c'est parce que ce week-end en fait il y avait un... Voilà, enfin cette semaine il y avait un bonus, voilà, très bien, ok, je comprends mieux, d'accord, je comprends mieux pourquoi les gens viennent d'arriver, ils débarquent, ils ont déjà des grandes bases, tu vois, ok, très bien, donc du coup, on est parti, bon on va déjà acheter tous les droppers, bah tu me diras, là la thune elle va partir tellement vite parce que le rez-de-chaussée ça va, mais l'étage c'est autre chose, hein. Alors ensuite on a quoi? Les poubelles, d'accord, ok, pourquoi pas, alors les poubelles coûtent plus cher que les convoyeurs. J'ai envie de te dire, allons-y, hein, pourquoi pas. Alors ici on a des trucs, attends c'est 1 million. Mais what? Mais attends, il y a des trucs à 1 million, mais on vient que de commencer. Ok, donc la petite route classique, hein, le chemin. Ah ouais, mais en fait 200 000 c'est rien. Ah, oh, c'est ici qu'on peut discuter tout simplement, tu sais, avec les personnes qui viennent te rendre visite en tôle. Oui, mais heureusement qu'on peut faire ça, tu vois. Ok, donc là on a l'uniforme de gardien. Ah, attends, je peux l'équiper? Ah par contre c'est pas ma taille, hein. C'est... J'espère que c'est pas taille mannequin là, parce que là je te raconte pas le délire. Ok, alors le flingue ça fonctionne. Par contre maintenant je ne peux pas la prendre. Je ne peux pas avoir la tenue de gardien alors que je suis... Ah voilà ça... Alors là, eh, magnifique. On se croira dans Mad City, tu vois. J'ai le talkie, la lampe torche, tout ça imprimé sur le shirt, tu vois. Magnifique, hein, tu vois, c'est pratique. Et l'insigne, bien entendu, de police, hein, bien sûr. Un servir et protéger, bien entendu. Donc, du coup, donc, on est à 13 000. Alors, est-ce que on peut acheter d'autres convoyeurs? Parce que j'ai l'impression que ça... Qu'est-ce que c'est, ça? C'est les murs. Cela, il y a marqué « Achète 100 000 ». Alors, je veux bien acheter 100 000, mais qu'est-ce que ça achète pour 100 000? Ça sent un petit peu le troll, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, du coup, on va rester... Ah ouais, bien sûr, tout ce qu'il y a au niveau du rez-de-chaussée. Ok, la voiture de police, c'est 500 000. Ah ouais. Ah ouais, mais en fait, je comprends mieux pourquoi il a donné un bonus de 200 000 pour commencer. Ah, on a bien entendu les officiers de police qui sont présents. Ah, bien entendu, l'extincteur, la base, le site de police, les portes de sécurité. Bah oui, parce que bon, on est quand même, hein, dans une prison, logique. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas ici. Est-ce qu'on peut acheter... Ah, voilà, l'étage, 12 000. Ah, ça achète les lampadaires avec. Ok, génial. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le pays Rizzo, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, c'est un prisonnier, ok, d'accord, ils ont mis un point entre deux, très bien. Ah oui, c'est... Ah, c'est une prison, on déconne pas ici, on met les prisonniers quand il n'y a plus de place, genre en dessous la cage d'escalier, tu vois, normal. Ok, le non-respect est présent. Ensuite, on a quoi ici? Est-ce qu'on a d'autres droppers? Alors, on peut avoir des cuisines. Ah, je crois qu'on n'a pas d'autres droppers. Ah si, convoyeur. Yes, ok, on va continuer avec ça parce que là, regardez, là, je vais déjà être en manque de thunes, hein. Ah ouais, mais c'est genre, voilà, ça y est, je peux plus acheter de dropper. Ok, normal, voilà, donc là, c'est la petite fabrique de minerais tout à fait légal, bien sûr. Hein, voilà, donc ensuite, ça descend tout en bas, et ça arrive directement ici. On est combien au niveau du cash? On est à 30 000. Pas mal. Attends, il y a plein d'objets, genre, dehors. On peut les prendre? Non, non, ça, c'est en Robux, ça. Ça, on est d'accord que c'est... Ouais, voilà, c'est ça. 95 Robux, mais bien sûr. Mais bien entendu, ça m'aurait étonné que ça soit gratuit, tu vois. Très bien, donc là, on va reprendre un peu de thunes. On va améliorer, comme d'habitude. Ah bah attends, les lumières... Ah, c'est les lumières d'alerte. Ok, en cas d'incident, bien entendu. Très bien, donc là, on remonte. On va aller directement acheter ce dropper. Ensuite, le prochain, c'est ça. Ça fait des bruits de portes de prison. Pour rester dans le thème. Bah, on va acheter tous les murs. Y aller. Voilà. Ça, ah voilà, j'allais dire, mais attends, j'ai acheté les murs, mais ils sont passés où mes murs? Ok, ensuite le mur frontal. Et bien sûr, sur les côtés, voilà, les petites tables. Ah yes, ah c'est la cantine. Ah ah, c'est donc la cantine. Et attends, on a la cantine et le stand d'armes à côté. Oh, c'est pas très... c'est pas très sécurisé tout ça. Tu mets les stands, enfin tu mets les, comment dire, les armes à côté des prisonniers, normal quoi. Ok, non mais pourquoi pas. Ok, donc là on a 35 000 de cash.
Est-ce qu'on va pouvoir acheter un autre offer ou pas? Je ne crois pas, à mon avis c'est 40 000. Ah ouais, c'est 50 000. Ah ouais, ça commence. Alors honnêtement, les gens, ça paye quand même plutôt bien, gardien. Parce que bon, les droppers, ça donne tellement de thunes, c'est abusé. Non mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Du coup, on va pouvoir regarder, améliorer tout le reste. Voilà. Ouais, non, en même temps, la vitesse à laquelle ça va. Regardez, non mais il y a même des trucs qui ont même pas le temps de descendre. Ça va trop vite. Ça s'empile. Ça s'empile ici, tu vois. Ça coince. Ça coince. Ok, alors on va acheter. Ah oui, la salle de surveillance. Ah, voilà, d'accord. Là, c'est paré par un mur. C'est normal, je comprends. Ok, et d'ailleurs, le flingue fonctionne. Très bien. Alors, je ne vois pas le tir. Est-ce que c'est juste des balles à blanc, c'est ça? J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. On verra un petit peu après avec la salle d'armes. Ouh! Alors aujourd'hui, au menu, on a donuts, on a une soupe, les burgers classiques, hein, bien sûr, les bouts de cuisses de poulet et bien entendu pizza. Voilà, un repas, bien entendu, très équilibré. Ensuite, la fontaine à eau, très bien. Ah, il n'y en a qu'une seule, hein. Par contre, ok, c'est une petite prison, mais ça va. On va pouvoir, bien sûr, agrandir, bien entendu. Alors ici, ouais, on aura tout ce qui est... Ouh, caméra de surveillance. Ça fait très, tu vois, le director, avec tous ces écrans, ouais, en fait... J'ai oublié de les brancher, tu vois. Ah, ridicule, ok. En même temps, j'ai envie de te dire, elle est où la tour, là? Comment ça peut marcher, où la tour de PC, tu vois? Ok, ouh, un uniforme de prisonnier. Oh, pas mal. Ah, ça me va bien. On a le SWAT. Yes, on peut même mettre le casque, je suppose, non? Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Ah, si, oula. Oula! Tu vois, Unité 22, j'ai un problème de masque. Au niveau des tailles, il va falloir revoir ça. Ouais, un petit souci de masque, mais vous inquiétez pas. Oh, le pompe! J'ai cru qu'il allait jamais apparaître. Très bien. Yes! Fais voir un peu. C'est un pompe silencieux? Oh, c'est la nouvelle technologie. Ah, d'accord. Ah oui, et le flingue? C'est ça, c'est un pompe silencieux. Alors, je vais essayer de me reset. Parce que. Ah, voilà, parce que bon, j'aimerais bien enlever ce. Ce bug graphique que j'ai sur mon visage. Ah, voilà, super. On récupère de la thune, voilà, bim. On est à 255 000. C'est ça que c'est bon. Ok, alors je vais récupérer, alors bien entendu, le flingue. Et l'épée, on va la laisser quand même. Je vois pas trop l'intérêt. Une matraque, je comprends, tu vois, c'est délire. Mais là, voilà, hein, c'est voilà le flingue, je veux bien, tu vois. Ok, donc du coup, bam, ça, le SWAT. Oh, yes. Allez, franchement, la tenue est super... classe. Voilà, très bien. Alors, je peux récupérer... Quoi? La première fois? Oui, non, mais c'est bon, je suis au courant. Merci, pas besoin de... Ok, alors, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Alarme? Attends, on peut activer le système d'alarme? Oh, mais c'est génial! C'est quand il y a une évasion! Oh, c'est ouf! Par contre, on en parle de la taille de ce crayon? C'est quoi, ça? C'est les trucs où t'as les trucs dedans, c'est... Ok. Oh, génial, attention! Une évasion! Il y a une évasion! Ah oui, par contre, on voit bien que les balles partent. C'est le projectile. Enfin, on voit bien que les balles partent. Donc, ça, c'est clair. Okay. Oui, c'est bon. Ouais, j'éteins. Ok, très bien. Bon, du coup, on va tester un peu nos armes au combat. Mais il me faudrait la voiture de flic. C'est pas pas mal quand même. Hein. Bon, par contre, la voiture de flic, c'était quand même 500 000. Ah, non, on est pas loin. Je fais quoi? Je garde la tenue. Bon, allez, on remet la tenue de gardien. Regardez, elle était plus. Ah, on peut pas la remettre. Ah si, voilà. Nickel. Ah, on est tellement, tellement stylé. Bon, du coup, ce qu'on va faire... Attends, c'était quoi ce truc à 100 000? Est-ce que c'était pas des fenêtres? Qu'est-ce que... Ah, c'est pour obtenir 100 000! Ok! Ah ouais, je comprends mieux. Alors, le garage. Sympa, petit système d'ouverture et de fermeture en cas de... bien sûr, d'intrusion ou... Enfin, pas d'intrusion dans une prison. Ouais, bah, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pour faire évacuer un autre prisonnier. Hein. Après tout, c'est possible. Et du coup, donc... On avait quoi au-dessus? Est-ce qu'on avait d'autres droppers? Non! On pouvait acheter un autre truc. Non, je veux pas m'asseoir. C'est quoi ça? 30 000. Ah, les escaliers! Ok! Et le deuxième étage, du coup. Très bien. Avec bien sûr. Ah, les alarmes! Ah, ça veut dire qu'attends, si je les achète, les lumières. Et regardez, on va remettre les sirènes. Je vais vous gonfler avec ça, tu sais. Mais non, mais regardez, on va pouvoir voir les trucs tourner et tout, je pense. Ah, c'est génial! Là, c'est stylé! Regardez, elles sont tellement puissantes, les lumières d'alerte, tu vois, qu'elles passent à travers le mur. Mais c'est génial. Oh là 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 là. C'est cool d'avoir acheté des petits trucs comme ça. D'ailleurs, oui, il y a un autre escalier là, il me semble. Ouais, c'était pas... J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Je n'avais pas fait gaffe. Donc du coup, bon, on est parti. 340 000. Allez, bientôt la voiture de flic. Et voilà, c'est bon les gens, je suis à 506 000. Donc on va pouvoir acheter le véhicule de police. Yes. Tellement stylé. Les petites sirènes. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah, génial. Petite télécommande. Ok, ça se... Oh là, oh là, oh là, ça se pilote. Ok. Très bien, c'est bon, ça va vite. Je ferme. Fermeture.
Ok, alors je vois que... Ah, les touches sont inversées. Donc quand tu appuies à gauche, ça va à droite. Qui a fait ça? En patrouille, ça va pas être pratique. On a des sirènes ou pas? Attends, trafic. Ok. Oh! Attends, tu vas me dire que... On peut mettre le clignotant et tout, excellent! Alors ça, c'est pas le clignotant droit, ça, hein. C'est à gauche. Ah si, oui, si, d'une certaine manière, ok. Là, on a quoi? Ok. Oula! Ah ouais, on a différentes sirènes! Mais non! Mais c'est génial! Ok, unité 32, j'en ai l'intervention sur la zone. Excellent! Ok, on a une personne, là, avec des lunettes de soleil noires. On peut essayer au pont pour... Excusez-moi, monsieur, c'est pour un essai. Ah, je crois que ça... la balle s'est arrêtée devant vous et le flingue. Ah, bah ça marche très bien en tout cas. Les lunettes sont tellement résistantes qu'elles restent en l'air. Ok, non, c'est bon. Et là, c'est là. Ok, pas mal. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de pénétrer l'horizon, je répète. Oh là, une intrusion. Il est grand temps de tenter. Le flingue. On va la première personne. Mange. Le pompe, fait j'ai la pompe. Je laisserai pas m'en servir. Allez, vas-y! Il bouge trop! Voilà, c'est. What? C'est quoi cette explosion? C'est mon pompe qui a fait ça? Ouais, c'était une seconde salve. Ok, bon, la voiture de police, ça marche bien, c'est bon. Ok, non, mais elle est géniale! Elle est énorme, je pense qu'on peut être à 4 dedans, hein. Regardez, excellent! Bon, il n'y a plus personne pour piloter, mais. Voilà, on fait avec. Très bien, bon, on va y aller, véhicule. Je pense qu'à mon avis, il y a 2-3 personnes qui vont m'en vouloir, sinon ils vont venir me rusher déjà. Non, mais c'est excellent ce véhicule! Avec ses roues et tout. Ah, par contre, police, il est un peu mangé par la roue, tu vois. Bon, on va ranger le véhicule. On va surtout arrêter cette sirène. Ouais, c'est bon, je m'en occupe. Attends, je vais le faire reset. Voilà, nickel. Ok, il est de nouveau garé. Et voilà, et comme ça, on a pu récupérer 230 000 pendant que on s'éclatait un peu avec le véhicule. Ok, bon, ça c'est fait. Ensuite, ici, est-ce qu'on a oublié des trucs ou pas? Il me semble que non. On avait tout fait, on avait vu la cantine. On avait vu le... j'allais dire le sopalin, mais non, c'est les assiettes. Très bien, et on avait la salle de contrôle, bien entendu, qui était ici. Avec, ah oui, l'escalier. Ok, et là, à mon avis, on a d'autres droppers. N'est-ce pas? J'espère que... Ah, voilà, ça y est, les con... Oh, attends, les convoyeurs. Je le touche. Je l'ai. Oh, le viseur, le pointeur devient rouge. Quand on est dessus, regardez. Là, je le touche, je vais l'avoir. Je vois qu'il a mal. Je le vois, je le sens. Je l'ai eu! Je l'ai dégommé! Oh là là! Ce tir à plus de 40 mètres! Enfin, j'imagine qu'il était à 40 mètres. Ce sniper! D'ailleurs, j'ai hâte de voir si on peut avoir un sniper. Ok, donc on va acheter le convoyeur. Ensuite, le dropper. L'autre dropper. Ouh, ils sont stylés ceux-là. Hey, futuriste. Alors, par contre, 100 000! Ah! Bon, j'espère que ça va valoir le coup. On peut encore acheter un autre escalier supplémentaire. Très bien. Peut-être pour un hélicoptère, ce serait excellent. Du coup, on est à combien en bas là? Non, parce que si ça coûte aussi cher, j'espère que derrière, le cash suit, tu vois. Très bien, on est à 126 000. Ah ouais, non, mais regardez la vitesse à laquelle ça monte. Pas mal. Pas mal du tout, 226 000. Bah écoutez, le drop... Ouah, non, mais là, ça dégringole. Là, je vois un gardien ou un prisonnier qui tombe, tu sais. Arrêtez tout. Arrêtez la machine. Ok, bon, alors, on va repasser par là. On va reprendre... Oh, attends, j'ai une intrusion encore. Oh là là, ce flingue. Ce flingue. Il va pas tenter, il va tenter le laser ou pas? Il tente la porte? Il va la tenter, regardez. Il attend doucement, il hésite. Il se dit peut-être que si j'y vais doucement ça va passer. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je peux lui tirer dessus là comme ça ou pas d'ici? Attends, j'ai un doute. Je crois qu'il attend le... Ah, il attend l'ouverture. Il attend l'ouverture de la porte. Et je le tire dessus. Et ça tire. Ok, la trésion dans la... Oh, je vais y aller au pompe, hein. J'ai pas un lance-patate là, ça aurait été... Alors le pompe un peu trop loin. Il bouge trop. Il a vermine, il bouge trop. Ça bouge trop. Allez, mais j'arrive pas à le viser, mais c'est pas possible. Une fois lance patate. Attends, au pire, j'ai une idée. On descend et on y va aux pompes. Regarde, comme ça. Fais un peu. Le pompe, il est... Attends, il est enrayé ou ça se passe comment? Attends, j'essaye de... Il tire plus. Mon pompe ne fonctionne plus. Il marche plus. J'ai plus de balles. J'ai usé mes balles. J'arrive plus à la tirer dessus. J'arrive pas à la voir. Attends, ça, est-ce que je peux prendre... C'est quoi ça? Ah tiens, on va prendre ça. On va essayer ce truc-là. Fais voir un peu. Donc alors comme ça on a un... Là, je me suis fait arnaquer. Je viens de perdre 85 Robux, on est d'accord. Je viens de perdre 85 Robux. Ah bah là ça va faire mal, regardez avec le Rainbow Blaster. Voilà. Ouf, stylé. Il doit faire mal quand même ce truc. Regardez, il y a une personne là qui est planquée derrière un arbre aussi là. Attends, on va essayer.
Oh, je suis désolé si tu me connais, mais... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est un lance pixel rose. C'est un lance patate pixel rose. Ah, c'était l'autre que j'ai tué au loin, je crois. Mais attends, mon blaster ne marche pas. Mais en fait, c'est que le flingue qui fonctionne. Y a... Regardez, même le lance-roquette. Ah, mais t'as le temps... C'est des Lego, en fait. Regardez, j'ai le temps de m'approcher et de lui tirer dessus. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Regardez, j'ai le temps de... J'ai le temps de lui tirer dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, par contre, le fusil à pompe ne fonctionne plus. Hein. Je tiens à le dire... J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche plus du tout. Allez, vas-y. Allez, j'ai l'impression que je tire. Ah, 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 ça va faire mal là. Oh, ça va faire mal. Je sens que la douleur. Allez, allez, allez. Ouais, je l'ai eu. Yes. Et dire qu'il a l'épée quand même qui est censée être beaucoup plus puissante. Je sais pas si c'était la même personne. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a plus de l'intrusion au niveau de la base. Mais moi, le pompe ne marche plus quoi. Ok, bon. Du coup, on va pouvoir. Bah oui, le cash. Attends, récupérer du cash. Ouh, 404 000. Pas mal. Très bien. Bon, du coup, on va acheter tous les droppers. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir bien entendu continuer avec cette prison. Ok, alors c'était combien? 100 000. Ah, ça sent qu'après, à mon avis, ça va être un peu plus cher, je pense. Ouais, c'est ça. 200 000 et 120 000. Ah, il me faut 400 000 pour finir, là. Bon, bah, tu sais quoi, on va mettre les fenêtres. Et on va mettre les murs. Les murs, c'est combien? Ah, c'est 15 000, les murs. Ok. Alors, attendez, on va acheter tous les murs. Ah, voilà, toujours le temps de faire ça. C'est quoi, ça? Ah, les cellules, oui, parce que oui, c'est vrai. Il paraît qu'on est dans une prison, non? Oh, pas mal! C'est quoi? C'est des... Les lumières? Ah non, c'est les commodités. C'est le... Ok, le chiotte. Oh là, j'étais en train de me noyer dedans. Et, ok, l'évier. D'accord. Stylé le bruit de porte de prison. J'aime beaucoup. C'est bien fait. Ah, un petit poster. Au calme. Est-ce que ça cache une faille derrière ça? Ok. Là, c'est encore 10 000. Très bien. Là, on a un autre escalier qui s'est débloqué. Je crois que c'est le même. Très bien. Ouais, on peut revenir là. Il y a un niveau, bien sûr. Et des convoyeurs. Et on a combien, enfin, du drop, enfin, de toute la thune qu'on récupère avec les convoyeurs. Ok, 164 000. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis hypnotisé, les gens. Regardez par la manière dont les cubes tombent doucement du convoyeur. Ils ont été obligés de ralentir les convoyeurs tellement il y en avait des cubes, tu vois. Voilà. Donc, du coup, on est, regardez, à 408 000. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir, bien sûr, eh ben, écoutez, acheter. Bah, tout ce que je voulais, hein, c'est-à-dire tout le reste, hein, bien entendu, tout ce qu'il y avait au niveau des upgraders et tout, tu vois. Donc, du coup, on prend ça. Voilà, maintenant il me reste 173 000 et là, la thune, là, ça va aller. Ah, ça va être encore plus lent. Oula, ça y est, ça débloque la sauce, là. Ça y est, ok, ça balance tout. Ok, on peut acheter. Qu'est-ce que c'est, police? Ah oui, les gardiens, ah oui, carrément. Ah ouais, c'est des sacrés détenus là en fait qu'on doit avoir pour que. Pour qu'il y a des mecs carrément avec des M16 et tout. Donc, alors le mieux c'est de prendre. Qu'est-ce que c'est? Ah, les prisonniers, bah oui. Les prisonniers, donc c'est 100 000. Alors attends, avant je vais bien sûr acheter tout ça. Voilà, j'ai pas du tout galéré pour dire cette phrase. Voilà, on va finir avec ça. Et ben on avait déjà pris ici les trucs. Ok, très bien. Bon, maintenant on est à 53 000. Bon, il me faut un peu plus de thunes pour le terminer. Et après, il me faudra aussi également l'escalier. Hein, bien sûr. On est à combien là? Ah, là d'accord. Là, ça monte. Regardez. Voilà, le petit 230 000. Non, mais la vitesse. Oh là là. Ok, bah ça, je récupère. Non, non, je ne veux pas acheter un million. Non, merci, c'est bon. J'ai ce qu'il faut, là. J'ai tout ce qu'il me faut. Ok, très bien, 260 000. Attends, on avait des trucs dehors aussi, il me semble. Est-ce que c'était cher? Il me semble que... Oh, ça va, honnêtement, regardez. Donc là, on a une tour. Elle est où? Ah oui, elle est là, sur l'extérieur, d'accord. Ici, on a également un générateur électrique. À côté des poubelles les plus grandes du monde. Ok, donc le petit générateur. Ok, j'avais pas vu au final. Ah, what? Ah, c'est pas un générateur électrique ordinaire, ça c'est un réacteur nucléaire le truc. C'est quoi ça? Ça fonctionne comment ça? Ok, là on a ensuite une autre tour. Voilà, et les gardes. Oh yeah. Qu'est-ce qui... Ils ont un téléphone ou une virgule? Ok, je crois que c'est une oreillette, on va dire ça comme ça. Et les barrières, bien sûr. Oh là là. Le grillage. Tout ce qui va avec, voilà, très bien. Ensuite, on va pouvoir prendre, eh ben écoutez, les barrières et bien sûr la route. Oh là là. Eh, regardez, c'est beau. C'est magnifique. Alors par contre, il faut que j'achète tout le reste. Ouais, c'est ça, hein. Il me semble. Je pensais que la barrière allait faire tout le tour, tu vois, mais pas du tout. Ok, donc là, je viens d'acheter la pelouse. Ah, voilà. Ok, les trois autres trucs étaient derrière. À mon avis, je pense que j'aurais pas assez de thunes, hein. Ouais, ça va être un peu juste, hein. C'est combien ici? C'est 50 000. Ah bah, c'est bon, je peux prendre ça. Voilà. Oh, ah, il y a un terrain de basket, excellent. Mais oui, les occupations, bien sûr. La base. Et la base, ok. Et là, ensuite, on a...
Check, ok, 500 000, d'accord. Pas de problème. Est-ce qu'on peut aller dans les tours? Je me pose la question là. T'en fais voir. Ah oui, si je grimpe pas. En même temps, s'ils mettent pas l'échelle du bon. Ah si, voilà, du bon côté, j'allais dire. Oh, génial! On est totalement protégé ici. Excellent! On peut tout voir. Donc là, t'as 4 gardes qui sont postés dans chacune des tours. Et là, t'as la vue, mais vraiment de toute la prison, quoi. C'est insane. Ok, bah écoute, on va retourner à l'intérieur. Et on va essayer d'économiser un maximum pour pouvoir acheter tout le reste. Oh les gens, je viens de récupérer un petit 1 million de cash, hein. Je pense qu'avec ça, on va être tranquille. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter absolument, regardez tout, voilà, toutes les barrières. Voilà, on est au top du top. Et du coup, on va pouvoir même faire, bah, l'extérieur. On va acheter tout ce qu'il y a à l'extérieur, là. Là, parce que là, ça y est, je suis parti, là. Là, je suis parti. Avec, on a la pelouse, tu vois. Et là, ensuite, on a, bien sûr, les bancs. Petite chaîne, il fait en or, là. Je pense qu'elle fonctionne. Ah oui d'accord, il faut payer pour mettre les musiques, ok. Avec les paniers bien sûr de basket. On peut prendre les ballons ou pas? Ah j'ai pas l'impression. Non, on ne peut pas les prendre. Ok, il est un peu défoncé quand même le terrain de basket, mais bon c'est pas grave. Au moins, on peut s'occuper tu vois. Ensuite on a un autre mur. Ah ouais, c'est pour séparer le truc. Les petites caisses. Et bien sûr, la cabane. Ouh. Qu'est-ce qu'on a? Ah c'est pour une arme. Une MK12. Ouh, la MK12 qu'on prendra bien sûr après, je pense, parce que il s'agirait de... Attends, on peut prendre des lasers? Mais il y a déjà des lasers, non? Ah, c'est des lasers au-dessus des barbelés. Excusez-moi, oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'on était dans la meilleure des prisons, ultra sécurisée, bien sûr. Mais oui, la base. La base, ok. Bon, on va retourner à l'étage. Je pense qu'avec 750 000, on devrait pouvoir tout le t'acheter. Oula, c'était pas... Ouais, je me suis mangé le plafond, oui, j'avoue. Ouais, mais en même temps, regarde ça, quoi. Non, mais... Qui a calculé la hauteur? Qui est l'architecte ici? Ok, donc là, les grenades. Ouh, la grenade! On fait très grenade en plastique, mais ça se balance comment? Ah d'accord, ok, donc ça balance une grenade invisible. Très bien. Et la fameuse épée en feu, qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure, qui est un peu inutile, hein, on va pas se mentir. Hein, donc, et bien sûr, les escaliers, avec l'étage supérieur. Les alarmes, les lumières, le classique. D'ailleurs, il est où l'escalier là? J'ai pas vu, j'ai pas encore les prisonniers, j'avoue. Est-ce qu'on a d'autres droppeurs? On n'a pas d'autres droppeurs? Ah si, il y a encore des convoyeurs! Mais attends, mais il faut que je prenne tous ces convoyeurs, c'est obligé les gens! Ok les gens, c'est bon, regardez, je suis plutôt bien, on va pouvoir bien sûr acheter le dernier droppeur! Alors celui-ci m'a coûté quand même 1 million, hein, mais en même temps, vu les blocs qui me lâchent, hein, j'imagine que ça doit plutôt bien marcher. D'ailleurs, si je vais là-dedans, il se passe quoi? Au secours! Ah, je suis coincé! Mais non, c'est pas... Non, c'est une blague. Attends, y'a pas moyen de sortir? Mais non, mais sans déconner, je suis... Et une grenade? Ah bah voilà, bah y'avait plus que ça à faire. Bah d'une certaine manière, je suis sorti, hein. On est d'accord. Ah oui, d'accord, je suis arrivé carrément là. Ok, bon, bah du coup, je retourne directement à la base. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai obtenu la fameuse arme que j'ai payée en Robux, hein. Et elle marche pas. Voilà, donc c'est génial. Donc ne prenez pas cette arme. Voilà, donc quand j'achète des trucs aussi avec les Robux, ça vous permet aussi de voir si ça vaut le coup ou pas du tout, tu vois. Ok, donc du coup, on est parti pour retourner, bien sûr, dans la base. Et puis ça tombe bien, on va pouvoir se rééquiper, bien entendu. Et récupérer... Wouah, on a déjà 800 000. Ok, d'accord, bah ça va. On va pas trop se plaindre niveau thune, hein. On est plutôt bien, voilà. Le petit revolver, voilà. Et bien sûr, on va pouvoir, eh bien, écoutez, équiper nos cellules de prisonniers. Et bien sûr, c'était quoi l'autre? C'était les... Ah, qu'est-ce que... Ah! D'accord, c'était les autres cellules. Ah, c'est les dortoirs! Ok! Attends, mais les prisonniers, ils sont pas... Ah, ils sont là, ok. Et là, du coup, ils sont dans leurs cellules. Oh, c'est génial, on les voit bouger et tout, je crois. Ah oui, par contre, ils ont l'air vénères, hein, c'est... Ah ouais, ils sont vénères, ok. Très bien, prisonnier numéro 2, le 3. Immatricule. Matricule? Oui, pas immatricule. Matricule, 247, j'ai pas le temps de voir le reste. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, si j'ouvre la... Non, je referme finalement, je referme. Ok, et on a bien sûr le gardien qui est ici. Là, on a bien sûr les lits, voilà, avec les petites tables pour étudier, tu vois. Et du coup, donc, on va pouvoir prendre aussi également la route. Et je vais repasser au passage, non pas dans la route du convoyeur, hein, pas dans le chemin, non, c'est mort, sinon je vais rester coincé, mais au niveau, bien sûr, de la récolte. Regardez, avec quelqu'un qui vient de mourir sur mon laser, là, ou quoi. Ok, avec 1 700 000 en cash, il y a carrément la thune qui sort de la vide, quoi, tellement il y en a, tu vois. Du coup, donc, on est parti. Le dernier étage, j'imagine.
Oui, parce que j'ai pu le voir avec les autres tours, tu vois. Ok. Ah oui, il y a aussi l'arme à acheter, hein, d'ailleurs. Tac, 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 et on balance tout. Toute la thune. Oh là là. Attends, il y a un autre étage. Mais non. C'est ça que c'est bon. Ok, la police. Donc là, on a quoi, là? Oh. C'est quoi? Ah, c'est... Ah, c'est le linge. Avec les douches et tout. Oui, parce que bon, les prisonniers bossent aussi, hein. Donc, ils bossent ici, un petit peu, voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Oh. Le lance-patate. Le... La sulfateuse. Et la porte de sécurité. Ah ah. Bien entendu. Donc ça veut dire que... Alors, attends, c'était combien déjà l'autre étage? Je crois que c'était 1 million, hein, c'est ça? Il me semble que le... l'escalier... Voilà, c'était 1 million pour le cinquième... Enfin, le quatrième étage. Mais c'est vrai qu'à l'américaine, on dit... le rez-de-chaussée, ça se dit premier étage, je crois. First floor. Ok, donc du coup, tac. Allez, le 1 million, là. Je veux les escaliers. Voilà, nickel. Comme ça, je veux pouvoir acheter... Eh ben écoutez, l'autre truc, je pense qu'à mon avis, ouais, c'est le toit, l'autre, hein. C'est sûr. Regardez, si je retourne là, bam, et que du coup, on achète ça. Ok, et les lumières. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, on a un autre escalier. J'ai même pas de quoi, pour, j'ai même pas de quoi acheter une lumière, hein, pour te dire. Et là, du coup, voilà, bon, bah, il n'y a plus de dropper, je pense, hein. Ouais, ça doit être genre des antennes, des trucs comme ça, ou peut-être un hélicoptère, je pense. Est-ce qu'on a un dropper ou pas? Ah, on n'a plus de dropper. Voilà. Là, on a juste, d'accord, un mortier. D'accord, on peut acheter un mortier. On peut acheter une statue, on peut acheter des murs et des routes. Ok, et un autre escalier. Oh, yes, mais il faut que je prenne tout ça. Voilà, je pense que les gens, on a assez de cash. Regardez, je suis à 8 millions de cash, presque 9. On va pouvoir prendre, regardez, la MK12. Oh là, si tu me dis qu'elle marche pas. Ah oui, c'est... Oh, ça flash. Mais ça flash de ouf. Oh là là, bah tiens, on a un intrus, tu vois. Excuse-moi, je suis désolé, mais je dois tester cette arme. Il s'est épais? What? J'ai plus de balles? Mais non! Tu peux pas recharger la... Ah, je... Ah, il est... Ah, j'allais dire, ça fonctionne tellement bien qu'il avait disparu, tu vois. Oh, par contre, ça prend tellement de temps à recharger, c'est ouf! Ah oui, le chargeur, en fait, il est en bas à gauche, je n'avais pas vu! Oh là là, mais l'arme, elle a l'air tellement puissante. Par contre, au niveau du viseur... Allez, c'est très petit quand même. Regarde le petit pointeur blanc là. Je vais voir un peu, est-ce que c'est... Ah ouais, non, tu peux plus tirer. Mais non. En fait, toutes les armes, elles ont qu'un seul chargeur. Bon, on a bien vu le... Ah, mais je peux peut-être en prendre une autre. Il a disparu. Ok, très bien. Fais un peu. Ah, voilà, ok. Donc, je vous conseille les gens, du coup, de reprendre de l'argent. Ah, mais il a réussi à venir à l'intérieur. Ouh, ça one shot. Oh là là. Ah oui, ça fait mal, hein. C'est... ça décoiffe, hein, tu vois. Ok, donc ça one shot. Ok, alors du coup, est-ce que j'avais d'autres trucs à acheter ici ou pas? Il me semble que oui. Au niveau, bien sûr, de cette zone. D'ailleurs, on peut mettre les vélos. Très bien. Et au-dessus de l'étage, enfin de cet étage, je crois qu'on avait pas mal de trucs encore à voir. Mais ça va. Là, je pense que là, on est pas mal. Ouh, le costard du directeur. Très bien. Le lance-roquette. Ah oui, le fameux. Ah, ça balance là. Une roquette à la couleur de ton équipe, quoi. Vu que je fais partie de la prison verte. Oh, trop stylé, regardez. Oh, l'arme, la Tommy Gun. Pas mal. Et la petite porte. Ouais, c'est bon, je tire plus là-haut. L'arme qui continue de tirer, alors tu l'as dans la poche. Alors ici, on a bien sûr. Non, mais elle continue de tirer. C'est quoi ici? Ah, c'est. Ah oui, c'est c'était les casiers aussi. Il y avait les casiers, bien entendu. Non, mais c'est quoi ce bug? Regardez ça. Ça tire en continu. C'est tellement bugué le truc. Portée de sécurité, très très bien. Ok, il nous reste encore 5 800 000. C'est quoi ce truc là? Un confinement. Ah tiens, on est en plein dedans. Ah ouais, c'est pour les détenus les plus dangereux. Ah, un lit et les toilettes. Fermeture. On peut mettre les prisonniers dedans, c'est ça? Je sais pas si c'est une bonne idée. D'ouvrir la porte. Oh, je l'ai tué. Très bien, alors j'ai bien fait de le tuer. Vite la fermeture. Ferme la porte. Ferme la porte. Ok. Ah ouais, donc il y a vraiment quelqu'un non-stop plein dedans. Et ça, c'est quoi ça? Ok. Alors, ça fait un bruit, mais ça ne fait rien. C'était peut-être pour gérer le mode nuit et le flanc qui continue de tirer, quoi. Je pense que c'était pour gérer le jour et la nuit. D'accord. Et là, du coup, au-dessus, on avait encore des escaliers, je crois. Il me semble que c'était ça, hein. Ouais, les escaliers. Très bien. Oh! On peut avoir un hélicoptère. Les gens, on peut avoir un hélicoptère. Ok,
qui est très rectangulaire, mais et ça tourne, hein, les hélices tournent déjà en avance. Il est chargé le truc, il est chargé, tu vois. Et là, du coup, on avait autre chose, on avait également la petite route. Ah, voilà, là, on avait encore d'autres trucs bien sympas. Regardez, le mortier. Attends, il fonctionne. Je pense qu'il fonctionne. Hein. Regardez, oui, ça tire et tout. Mais c'est ouf. Et si tu spam, par contre, là... Mais c'est génial, tu peux vraiment spam. Oh là là, ça protège la prison. Alors tu peux pas... Ah, tu peux gérer la puissance, regardez. Je vais essayer de tirer sur la personne le plus au bout possible. Regardez, regardez, regardez. Excellent. Oh, c'est génial. Tu peux tirer tellement loin. Attends, je crois que j'ai eu quelqu'un, non? Attends, j'essaye de voir. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? Ah, c'est... Oh, le problème, c'est que tu peux pas tourner, je crois. Non, tu peux pas tourner. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, tu peux quand même bien... Ça fonctionne, au moins on peut tirer avec. Ok, alors je vais mettre la tenue de pilote. Oh là là. Excellent, cette tenue de pilote d'hélicoptère. Et là, bien entendu, on va pouvoir... Alors, je vais... Non, mais c'est Tommy John qui arrête pas de tirer, quoi. On va pouvoir récupérer la thune, les gens. Et on va tout simplement essayer quand même cet hélicoptère. Attends, on est obligé. On est obligé, voilà. Et bien sûr, je crois qu'il y avait encore un autre truc à acheter aussi avant. Il me semble. Par contre, ça en fait des étages. Voilà. Ok, donc là, il nous restait la statue. Je sais pas ce que c'est la statue, mais... Faut voir un petit peu, ça ressemble à quoi. Oh, la statue de sniper doré. Magnifique. Magnifique. Ok, on dirait mon ancien skin. Et là, le casque. Ok, on est foireux. Et voilà. Et c'est le décollage. Est-ce qu'on peut décoller avec ou pas? J'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Oh non, le seum. Ah si, attends, 7. Voilà, c'est bon, fly. Quand je fly comment là? Je fly comment? Ouais, attends, c'est bien là, hein. Je crois que c'est... Y'a que ce... Ouais, voilà, donc si je vais dessus... Ok, on peut pas décoller encore. Oh non! Oh, le seum! Il est pas encore bien à jour. Oh là là, eh, c'est un peu le... Comment dire, le comble pour quelqu'un qui a fait un airport à écouter. Bah écoutez les gens, on a terminé avec cette base, enfin cette prison, hein, ultra sécurisée. Regardez-moi ça, quoi. Pouah, pouah, pouah. Oh, elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tycoon, mes présents tycoons, extrêmement plus c'est le cas. Comme d'habitude les gens, je vous invite à lâcher un maximum de likes. Ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. N'oubliez pas également les amis de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager la vidéo et la chaîne. Je vous remercie grandement, c'est votre jumper. Et merci d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreux. Ça me fait tellement plaisir. Je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis. Ah bah y'a pas de parachute.